Alors bonjour, aujourd'hui on va parler à propos de ceci. Qu'est-ce que ce symbole signifie? Alors la première chose qu'il faut savoir, que cela peut seulement apparaître au cas où que vous avez fait une erreur sur votre logiciel Excel. Alors quelle est cette erreur? On va aller voir ça. On va se déplacer jusqu'ici. Alors un petit rappel très rapide, on se souvient si on veut faire une formule en additionnant, multipliant des cellules, il faut simplement cliquer sur la cellule. Marquer ce qu'on veut faire, cliquer sur l'autre, on clique sur Enter et voilà, on a notre belle réponse qui va apparaître. Alors, une autre chose qu'on peut faire, par exemple, avec Excel, c'est aussi faire des formules en utilisant un tableau. Alors, si je veux faire une formule, puis que je veux choisir toutes les données qui sont ici, donc tableau 3, colonne 1, qu'on va pouvoir ici, je veux l'additionner, par exemple, avec la deuxième colonne ici. Et voilà, et là, je vais cliquer sur Enter. Comme vous voyez, ici, il y a vraiment une réponse. Un résultat qui est apparu. Par contre, si je décide d'éliminer le tableau qui est ici, c'est lorsqu'on voit qu'il y a eu un problème. Ce symbole ici arrive. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ce symbole-ci signifie qu'il y a eu une mauvaise référence à cause que, comme le tableau n'est plus là, n'est plus présent, notre calcul n'est plus possible. Merci beaucoup et à la prochaine fois.